De cette commune de Matoto avec un suffrage valablement exprimé de 23. Et à cette occasion, je leur demande que les enjeux sont grands. La commune de Matoto est une grande commune. Il faudrait qu'il y ait une synergie entre tous les conseillers, ceux qui ont voté, ceux qui n'ont pas voté pour moi, d'être ensemble pour relever les défis. Donc, je ne saurais réellement terminer sans remercier tous mes fidèles qui m'ont accompagné depuis très longtemps
pour qu'aujourd'hui soit vraiment une fête pour la population de Matoto et pour la personne de Mamadou Batos Kamara Sou, le label du président arc-en-ciel. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous autoproclamer maire de la commune de Matoto quand on sait que le représentant du ministère de l'administration vient de dire que pour le moment le vote n'est pas validé? Non, qu'il le dit ou pas, mais pour le moment, ce qui vient de se passer, au vu au-dessus de tout le monde, j'ai déjà les 23 qui me proclament le maire de élu de la commune de Matoto. Mais c'est lui après qui avait eu 23. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Ça a été bien compté. Mamadou Batos, avec le bulletin jaune, les 23 voix valablement exprimées. Qui a alors déchiré le bulletin ici au siège ici? Non, tous mes conseillers étaient autour de moi. Nous n'avons que observé la quiétude, la paix, dans l'intérêt du scrutin. Merci beaucoup. Mais nous sommes des républicains, nous sommes des respectueux du principe du droit. Déjà, les dépouillements ont été faits dans les règles de l'art par l'administration. Et déjà, le candidat du RPG arc-en-ciel à ma personne, Mamadou Batos Kamara, avec l'alliance, l'UFR, nous avons enregistré les 23 voix. Mais déjà, quand ils ont constaté que les 23 sont là, ils ont demandé de reprendre les décomptes. Au moment du décompte, directement, ils ont semé la pagaille. Donc, c'est ce qui a amené toute cette oyoboyi. Mais je vous dis, déjà, avec cette victoire, le RPG arc-en-ciel reste le candidat, le maire de la commune de Matoto, jusqu'à ce que l'administration se prononce pour valider le victorieux qui est, ma modeste personne. Mamadou Batos Kamara! Merci. Il est le maire de la commune pendant les 5 prochaines années, qu'on le veille ou pas. Ça c'est fini cette année. Si vous voulez qu'on reprenne, ça va pas mieux le maire. Honorable, le processus est arrêté, il y a eu cette pagaille. Qu'est-ce qui s'est passé? Disons que vous savez que dans notre pays, l'autorité, lorsqu'elle veut de l'ordre, l'ordre se réalise. Ce qui s'est passé, c'est le vote de 45 conseillers. Ça s'est passé de façon très claire et transparente. Il y a eu un décompte, il y a eu un recompte. Et donc cela a permis, devant l'assistance, de voir ce qui s'est passé. Kalemoudou Yansané a été crédité de 23 voix sur 45. Et cela a été repris une fois, deux fois, c'est sans appel. C'est bon, disons que ce score n'a pas plu aux représentants du RPG qui étaient dans la salle, qui s'est levé pour faire un peu de pagaille. Dans l'indifférence, de sécurité et malheureusement cela a conduit à l'interruption du scrutin, mais je pense que les conseillers communaux vont reprendre leur place et vont continuer le processus de désignation des autres membres du bureau exécutif. Maintenant, tout repose sur la volonté de ce gouvernement de faire de notre pays un pays de droit où
d'un pays où c'est l'illégalité, la force et la brutalité qui règnent. Nous sommes là et nous regardons la situation. Vous clamez haut et fort la victoire de votre candidat. Non, nous ne clamons pas. Vous clamez haut et fort la victoire de votre candidat. Sauf que le représentant du ministère de l'administration vient d'affirmer haut et fort que le vote n'est pas validé. Ne criez pas attendez, le représentant du ministère de l'administration du territoire n'est pas plus important que ce que nous tous nous avons observé, c'est que le scrutin s'est fait devant tout le monde. Nous sommes quand même des observateurs qui étaient dans la salle. Ce qui s'est fait, il y a un procès, il y a un PV dans lequel on a consigné le nombre de voix obtenues par chacun. Le PV n'est pas déchiré. Donc c'est important. Et si demander la reprise la remise, vous allez accepter les élections. Les élections, vous voulez savoir, le président de la République ou le ministre de l'administration du territoire peuvent décider de mettre la commune de Matoto sous délégation spéciale. Cela fait partie de leur prérogative dans l'illégalité absolue. Nous sommes en Guinée, ils peuvent décider qu'il n'y a plus d'élections. Nous sommes dans un pays, mais en ce moment-là, les Guinéens vont observer ce que le droit permet et ce que la force permet aussi. On ne gouverne pas un pays par comme ça. Ce qui s'est passé, c'était transparent. On a compté et récompté. Il n'y a pas besoin de midi à 14h pour reprendre. Ensuite, en dehors des bulletins, le secrétaire qui tenait le procès verbal consignait le nombre de bulletins obtenus par chaque candidat. Mais c'est simple. C'est simple. Il y a des policiers, il y a des forces de sécurité ici. C'est aussi pour favoriser cette quiétude. Et c'est important que chacun respecte l'autre. Et ça s'est passé dans de bonnes conditions. Comment est-ce qu'on peut permettre à quelqu'un de rentrer, de ressortir, de revenir encore, caillasser, aider? Bon, et puis voilà. Après, on va dire que c'est pas non, bien. Non, vous soutenez à ce que la commune de Matoto soit dirigée en délégation. Non, la commune de Matoto sera dirigée par Kalimou Diassané. Que cela plaise ou non. En tant que président de délégation spéciale. En tant que maire élu de cette commune. Merci, honorable. Maintenant, vous pouvez parler, monsieur. C'est le journaliste. Voilà. Si vous êtes dans les bijoux, vous êtes comme ça. Quand moi je parle, tu te tais. Et puis toi aussi, tu te tais. Je ne me tais pas. Parle ce que tu veux. Oui. Bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît. Avocat de Diaby, conseiller élu du RPG Arc-en-Ciel. Voilà, monsieur Diaby, nous voyons la l'URPG Arc-en-Ciel parle de la victoire de son candidat. L'URPG affirme le contraire. Je vous en prie. Je crois. La sécurité, les conseillers étaient tous là et les membres de la presse étaient tous là. Non, nous on était dehors. D'accord. Allez-y. Il y avait des représentants qui peuvent témoigner. Le décompte, on a compté jusqu'à 17. Après, il y a un monsieur représentant de l'UFDG qui était là. Comme il était le plus doyen, le plus âgé, on ne sait pas si on peut faire croire maintenant à la sagesse. Qui croit vraiment avoir dit la vérité. En ce moment, il y a eu de malgances de bulletins. Avec tout cela, on a comptabilisé le RPG à 23. Nous, notre couleur était jaune. Le jaune est à 23 et le RPG qui avait rouge avait 22. À la personne de Mamadouba, Tos Camara est élu. Ce que moi je sais aujourd'hui, le problème de maire est clos. Des armes Mamadouba, Tos. Nous l'acclamons haut et fort, c'est lui qui sera le dirigeant de cette commune dans les 5 prochaines années. Je vous le jure. Sans problème. Et si on demandait de reprendre Non, il n'y a pas de reprise déjà. Si on demande de rentrer, on va rentrer pour suivre l'élection des vice-maires. C'est ça qui nous intéresse maintenant. L'élection du maire maintenant, ça c'est derrière nous. Ça c'est fini. Pour le moment, nous sommes sereins et la victoire est là. Le RPG est toujours un parti transversal. Il respecte des principes. Étant au pouvoir, vraiment, il y a beaucoup de bêtises qu'on ne dit pas. Mais aujourd'hui, la victoire qu'on a. Les partis alliés, que ce soit le PDG RDA, que ce soit le PIP,
que ce soit le PL, que ce soit Erdig, que ce soit le bloc en général, qui ont vraiment œuvré pour la victoire, candidats qu'ils ont estimé être le meilleur pour le bonheur de Matoto. Je dois vous dire que je ne veux pas faire du triomphalisme. Je suis de Matoto. Je voudrais appeler à la sagesse de tout le monde, que ce soit des élus de RPG, des élus de tous bords, pour qu'ensemble on se donne la main pour développer la commune. J'appelle aussi les uns et les autres, les jeunes, la sécurité, les femmes, les militants de tous bords, à la sécurité, à la paix. Nous ne sommes pas obligés de vivre ensemble. On n'a pas besoin de se couper le nez. Le vote a été fait devant toute la presse. Ça a été compté une fois, ça a été compté deux fois. Dès qu'on a dit 23 voix pour Kalemondi Hassané, j'avais le numéro rouge, c'était visible pour tout le monde, par tout le monde plutôt. Et donc, il y a un monsieur, comme je vous l'ai dit, qui est sorti. Il était. Malheureusement, il était avec à côté du secrétariat. Hein. Son nom. Son nom, c'est un Keïta. Balamoussa Keïta. Balamoussa Keïta. Il s'appelle Balamoussa Keïta, qui a protesté la première fois. On l'a sorti. Il est revenu, on l'a rencontré, et il est venu déchirer les bulletins de mon collègue Tors. Voilà ce qui s'est passé. Donc, j'invite également la presse à sensibiliser les gens. Nous attendons qu'on nous convoque pour l'installation de cette vice-maire. Je dois profiter de l'occasion également pour remercier le président de l'UFDG qui a eu la sagesse de désigner une équipe dynamique qui a été appuyée par les militants de l'UFDG à Matoto pour qu'enfin on puisse gagner la mairie de Matoto malgré tout ce qui a été mis devant nous comme obstacle, comme tricherie, comme vol, tout ce qu'on peut imaginer. Honorable, s'il vous plaît, oui, une question. Merci beaucoup. Allez, juste une question, une dernière, à la validation. Merci. Et qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous êtes pour? Bon, je pense qu'aucun de mes conseillers élus de cette salle ne s'est prêté à ce genre de comportement. Nous sommes des républicains et les respectueux du principe vraiment du vote. On parle d'un ancien administrateur de Martyrs. Bon, déjà, ancien veut dire déjà qu'il est ancien. Donc, ce que nous savons déjà, la victoire est de notre faveur et déjà nous sommes serrés. Et nous demandons à l'administration de proclamer la victoire du RPG arc-en-ciel avec l'accord du UFR. Et si toutefois l'administration demandait à la reprise de ce vote-là, qu'allez-vous faire? Je vous ai toujours dit que je suis un respectueux du principe et de la loi. Mais ma volonté ne doit pas être ça parce que ma victoire me sera arrachée à travers le vandalisme des adversaires. Merci. Vive le RPG! Vive le RPG! On est ensemble. Regarde la vertu de la salle. S'il vous plaît. Bon, maintenant, on va organiser la salle. Voilà. Laissez-les organiser. I want for la vida calle, vine mantenme, boy.